Mesdames, messieurs, je ne vous cacherai pas que nous sommes en ce moment dans une situation qui n'est pas sans remède. Est-il besoin de la préciser? Car vous pouvez très bien nous en sortir sans trop de dommages pour notre économie en vous achetant plus de chapeaux dans nos intérêts. Mon grand-père était prolétaire et je me souviens encore de l'odeur de son bleu quand il le trempait dans la soupe, par ses hivers terribles d'antan. Ah, les temps ont bien changé. Savez-vous que le chapeau est très à la mode cette année? Et que si vous n'en achetez pas, nous serons la dernière des économies. Oh, comme vous avez mauvaise mine! Elle n'a pas l'air en forme! Voyez l'individu. Percer, agir, trancher. Un vaste panorama social s'ouvre alors à lui. Vous, tête nue, tête de crapaud. Qu'attendez-vous? Stop! Brebis tondue, resteras-tu le cul nu? Dans toute l'histoire, les animaux circulent en se passant la main, sans rien en tête. Seul l'homme, mesdames. Orne le somme. Ce pansement est idéal. Il termine votre corps. Pensez à ceux qui n'en ont pas.